bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mister B-Boy 45 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de Shadow of the Colossus et nous en sommes déjà il faut le dire quand même, au colosse numéro 11. J'espère que vous êtes motivés parce que celui-ci, il a l'air assez énervé. Hein. Il ravive les flammes, je sais pas avec quoi il va jouer, mais sûrement pas avec de l'eau, d'accord? Je pense que ce colosse va jouer avec le feu, mais qui joue avec le feu, les gars? Prendre le risque de se brûler. Et on va lui faire comprendre, bien évidemment, on est parti. J'espère que l'épisode 7 vous a plu, le colosse numéro... Oh là 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 là, numéro 9. Mais c'est terrible. Bah oui, mais parce que vu que je vous ai fait des doubles épisodes avec double colosse, au final, j'en suis totalement perdu. Ah, c'est toujours par ici. C'est dingue, hein, tout se passe là-bas, les gars. Tout se passe là-bas, c'est assez terrible. Évidemment, je vais laisser le trajet. On va discuter entre-temps, étant donné que dans cet épisode, je ne ferai pas deux colosses en même temps, mais bien un seul. Je suis désolé à ceux que ça peut attrister. On s'en est plutôt bien sorti dans le colosse précédent. Et jusqu'ici, c'est très sympa. En fait, c'est un jeu détente. Voilà, c'est un jeu poétique, ça on l'a déjà dit maintes et maintes fois. On se posait des questions dans l'épisode précédent. On se disait, mais attends, où est la population? Parce que c'est vrai que l'humain, en tout cas, l'humain tel qu'on le connaît dans le jeu, c'est-à-dire grâce à travers de ces deux protagonistes, sont comme nous. Mais pourquoi ils exploitent pas les terres? Peut-être à cause des colosses, certes, mais on a l'air de les réveiller. Donc, c'est très bizarre, vous voyez ce que je veux dire? On a l'air juste de les faire chier, les mecs. Donc c'est aussi, je sais pas, je trouve ça très bizarre. On verra, peut-être qu'on en saura plus à la fin. Quoi qu'il arrive, ceux qui l'ont vu, ceux qui connaissent la fin, évidemment ne spoilez pas, j'ai une équipe de modérateurs encore une fois très solide sur les appuis, gardez-le pour vous. Je sais que ça vous démange peut-être, hein, vous êtes du genre à vouloir raconter à chaque fois ce qui va se passer ou autre, mais ne le faites pas, ça sert à rien. À part vous faire ban, ouais, vous avez pas gagné grand-chose, surtout que c'est Shadow of the Colossus, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense pas, très honnêtement, je pense pas. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un agréable mois de mars. Alors, pour être très honnête avec vous... un hôtel, ouais, mais non, je l'aurais vu, je pense. J'aurais clairement vu les arts. Pour être très honnête avec vous, le mois de février, je sais pas pour vous. Donc, c'était le retour de nos aventures grâce à, encore une fois, Shadow of the Colossus et Horizon, mais... Waouh, c'est passé tellement vite. Moi qui live tous les soirs sur ma chaîne Twitch en votre compagnie, c'est passé à une vitesse le mois de mars assez incroyable. Je vais pas vous mentir que je trouve ça assez incroyable. Non, mais c'est juste dingue. On traverse, mais on est sous le pont. Enfin, on va appeler ça un pont, les gars, d'accord? C'est clair que c'est pas le pont tel qu'on connaît. Non, un pont comme ça, tu te chies dessus. Hein. Parce que les gars, croyez-moi que plus vous êtes haut, plus le vent vous le sentez. Quand vous dépassez, vous savez, quand vous êtes dans une voiture pas très stable, genre la Fiat Punto de ton daron ou une connerie comme ça, j'ai envie de tenter un truc. La vérité, j'ai envie de tenter un truc. Ça se tente, ça. Putain que ça se tente. Mais on va faire tout le tour. On va faire tout le tour, on va pas jouer, on va pas jouer au fou. Parce que les gars, ça, une chute... Ouais, on va faire tout le tour calmement. Une chute, vous savez ce qu'il en est, les mecs, et j'ai pas envie de le revivre. Je repars directement à zéro. Donc ça, c'est terrible. On va éviter de faire le triso cette fois-ci. Je sais que vous aimez mes cascades, je sais que vous pouvez pas vous en empêcher, mais quand même. Ah, il est pas là par hasard. Mais je crois bien que si, en fait. Totalement, en fait, je crois que si. Il est tout en bas. Pas envie de vous dire n'importe quoi, mais un lac, un hôtel surplombe le lac. Ok, je pense que c'est la fin, c'est magnifique. Je pense... Oh putain, oh oui, c'est totalement là. C'est totalement là. Ok, on y va les gars, on prend ce chemin fort chelou. Alors, l'avantage en fait du jeu, ils ont pas fait les bâtards. Ils auraient pu le faire, hein. Ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. Dans le sens où quand t'as terminé un colosse, t'es renvoyé à la caisse départ. Et ça, c'est plutôt cool. T'as pas tout le chemin du retour à taper. Ça veut dire que chaque paysage que vous voyez, bah finalement, hormis les colosses du début, qu'ils étaient à côté, donc t'es obligé de repasser par le chemin des colosses du départ. Hormis cela, faut être honnête, c'est que des trucs qu'on ne voit pas. Chaque colosse, chaque nouveau colosse égale de nouveaux paysages. C'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie, c'est magnifique, magnifique. Mais alors par contre, je vais pas nager tout le long, ça va être très chiant. D'accord, donc respectez-moi. On va se dépêcher d'aller dans la terre ferme, jusque là-haut. Non, parce que là, ça va la comédie. Ah, j'aurais pu passer par... Non, pas du tout. Je suis obligé de passer par là. Ok, je pense que c'est ça. Ça, c'est un lac. Et il y avait un hôtel qui surplombait. C'est ça, putain. Bah oui, c'est ça l'hôtel qui surplombe le lac. C'est totalement là-dedans. On a trouvé du premier coup. C'était pas trop casse-tête. C'est pas trop casse-tête en général, mais des fois c'est loin. Et là ça allait. C'est pas si loin que ça.
En tout cas, c'est quand même fou qu'ils aient réussi à caser 16 colosses dans des endroits comme ça sans temps de chargement, encore une fois. Plutôt assez impressionnant. On a là, on a à gauche. Ouais, je pense pas. Si, peut-être, je sais pas. Ça a l'air d'être pas ici, mais à gauche, on avait aussi un petit truc sympa. Peut-être qu'on a une autre issue. Peut-être qu'on a juste rien. Ah si, c'est totalement par là. On y est, les gars. On y est. Bienvenue. Ah, peut-être encore un colosse d'intérieur. Comme le colosse à barbe. J'ai bien aimé le colosse à barbe aussi. Je l'ai bien aimé. Celui qui avait une barbe incroyable. Waouh. Ok, c'est là. C'est totalement là, mais qu'est-ce que c'est? Oh, il est... Oh, il a l'air agressif. Hein. Oh, c'est... ok. On dirait un taureau, un chien, on dirait... Ok. Waouh. Oh, il m'a attaqué direct. C'est rien. Relève-toi, non? Agro? T'es... non, agro. Désolé. T'es pas mon cheval. Mais relève-toi, malheureux! Mais idiot! Non, mais gros, bah les gars, je suis mort, en fait. Ok. Je vais rester là, hein, si ça vous gêne pas. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Oh putain, on peut s'allonger là-dedans, non? On peut s'allonger? Ok. Ça a l'air d'être ça. Wouah! Il met la patte! Incroyable! J'étais tellement pas prêt! Ah, ok, je pense clairement. J'ai l'idée. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais clairement ce qu'il faut faire. Faut qu'il fonce dans le lac. Non! C'est totalement ça. C'est totalement ça, je crois. Faut que j'arrive à le faire tomber. Je crois que c'est ça. La musique s'arrête. Je pense qu'il faut que j'arrive. Alors, comment je peux faire? Ça, c'est une très bonne question. Tomber rapidement. Il faut que j'arrive à pré-shot ça. Je pense qu'il faut juste que je le fasse tomber. Là, ça me paraît très très bizarre. Ça me paraît très trop bizarre. On va y retourner. On va y retourner. À mon avis, je suis pas loin. Oh, regardez. Est-ce un raccourci qu'on a là? Ou alors que je le fasse traîner là-dedans. Yes. Ça me paraît pas mal, ça aussi. Hein. Ça me paraît totalement pas mal, ça aussi. Il est super agressif. J'aime bien. Il a faim. Non, essaye d'utiliser les flammes. On sait jamais, ça renverse peut-être quelque chose. Ok, c'est bien à lui de le faire renverser. Bon. Ah, ça c'est un échec ultra cuisant. C'est pas grave, on va remonter calmement. Ok, j'ai compris. Il faut que je fasse en sorte qu'il fonce dans les flammes. Eh bien. Non, c'est pas ça. Mais je vois pas là en fait. Là, je vous avoue que. Ok, on va essayer. Ça peut être que ça, je vois que ça. Attends. Mais c'est pas vrai, ma vie est nulle. Allez. Ah non, mais il se dépêche pas. Ok. Aïe, ça va être terrible. Ça va être terrible, hein. Bienvenue dans le pire boss du monde. Il va être terrible, celui-là. Ok. Là, je commence à saisir le pattern.
pas vrai, c'est pas vrai, j'étais presque. C'est pas vrai. Faut prédire. Alors, les caméras sont horribles dans ce genre de cas-là. Les gars, si je peux me permettre. Mais voilà. Les caméras sont horribles, ton personnage il met 8 ans à se relever. C'est incroyable. Je sais pas ce que je fais. Voilà. C'est toujours pas simple. Ça, merde! Donne-le ton coup de croc! Essayez d'utiliser les flammes. Toi, tu réouvres ta gueule une seule fois. Ça va mal se finir. Regardez cette lenteur extrême. Putain de merde. Oh là là, faut monter dessus. Oh, ça va m'énerver cette connerie. Oh, fallait juste monter dessus. Oh, fallait juste monter dessus. Oh, c'est terrible. Catastrophe, ma chérie. Oh, il m'a enculé. Attends, je fais quoi là avec ça? Mais il met des coups de patte. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de tout celui. Ok. Mais c'est pas vrai. Vous allez me lâcher, monsieur! Ok. Oh là 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 là, catastrophe, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis déçu. C'est fait exprès. Quelle tristesse! Cette flamme qui s'arrête! Aïe! Mais monsieur, mais laissez-moi tranquille! Putain, j'avais l'air tellement swagué, j'étais là en mode. Écoutez, je dompte les colosses, d'accord? Non! Aïe! Non, mais gros! Non, là, faut pas abuser, les mecs. Là, la vérité, je vous aime bien. Vos caméras infernales. Allez, je suis sa merde. Non, mais je suis sa merde, les mecs. Non, mais ça va, oh, je suis mort! Ah putain, en plus, on voit la gueule quand on meurt du colosse qui nous a tués. C'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer là, les gars. Mais c'était très drôle. Par contre, c'est incroyable qu'il fasse... Ça peut paraître con, mais un petit coup de patte. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, on y est. Ok. Un petit coup de patte comme ça. Allez, ça dégage. Ça dégage totalement, c'est déjà la fin? Je m'en bats les couilles, je saute. Ok. Ok, c'est rien, c'est rien. On est là, on est là. Ok. Ok, remonte. Très bien. Je peux pas sortir mon épée. D'accord. Je ne sais pour quelle raison. Je ne peux pas sortir mon épée, donc je tiens. Ok. Je vais y arriver, hein. Et alors comment tu vas faire, en fait? Je comprends pas. Je crois que je dois tenir tout le long. Attendez, attendez, attendez. Il a pas de point faible. Il a pas de point faible, mais il a plus d'armure. Ça, c'est plutôt le côté positif. Je vais tenir jusqu'au bout, hein. Il me ramène en haut, au pire. Je suis en mode flemmard. Non, tu me ramènes pas au bout. Oui. C'est rien. Waouh.
Ma vie est tellement nulle. Ok. Allez. Ouais mec, et ça y est, on est reparti. Mais c'est Keblo, le jeu est Keblo. Le jeu est bloqué. Allez. Ah là 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 là, c'est l'enfer. Je peux pas charger entièrement. Ok. Je peux pas charger entièrement. Ouais. Je vois pas en fait. Je suis déjà sur son dos, je vois pas. Je vous avoue que là je suis je suis dans l'étonnement le plus total. On va essayer de monter là-haut. Ouais. Peut-être une deuxième fois. Pas ça, c'est terrible hein, j'y arriverai jamais hein. J'y arriverai jamais les gars hein. C'est en fait j'ai très peu de temps, je comprends pas là. Là je suis pile poil dedans. Là, je comprends pas. Là, réellement, les mecs, si quelqu'un a une solution. Non, là, réellement, je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, j'ai réussi à lui asséner un coup. Très bien. Ok, j'ai réussi. Après une esquive d'attaque, je me dis pourquoi pas. Aïe aïe aïe, coup dur. Là j'ai pas réussi, j'ai chié. Le temps qui se relève, allez frérot, s'il te plaît. Aïe 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 aïe, merde. J'y arrivais tout le temps il y a 2 secondes. Oh c'est terrible. Ça commence à me gonfler, je vous avoue que ça commence à me gonfler. Je suis peut-être à 2 doigts d'exploser une manette. Ça peut faire mal. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Regardez comme ce joueur commence à s'énerver et perd patience face à un taureau de ses morts. Ok, d'accord. Il y a 2 secondes de... Ah non! On a un petit laps de temps, je sais pas si je m'y prends bien. Je sais pas. J'arrive à le blesser. Alors on s'est pris un stop. J'arrive à... Ah, c'est terrible. C'est terrible, on va y arriver. J'ai réussi grâce à un bug, je crois. Je crois que j'ai réussi grâce à un bug. Oh, c'était terrible. Gardien de la fosse. Je crois, les amis, que j'ai réussi grâce à un bug. Que Jésus de Nazareth me bénisse. Ce fut terrible. Ce fut terrible. Je commençais à être en sueur. Je me voyais déjà exploser une manette contre un mur. Waouh! Alors, par contre, ce colosse, le seul souvenir que j'en ai, c'est qu'il m'a cassé les couilles. Les gars, et encore, je pèse mes mots, si je peux me permettre.
On a tout de même affronté, je pense jusqu'ici, le plus petit des colosses. Ça va être compliqué de faire plus petit. Là, ils sont un petit peu plus petits, mais hargneux, vraiment hargneux. J'ai hâte qu'on revienne sur un gros colosse immense, là, comme les premiers. Ça serait cool. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite et le colosse numéro 12. N'oubliez pas qu'il n'y a que 16 colosses. Il en reste donc plus de 5. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.